أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir les fichiers GPX en fichiers Excel en vue de son utilisation dans le SIG. Et nous avons déjà ouvert l'application Excel. Nous allons faire fichier, ouvrir. Nous allons parcourir pour aller jusqu'à notre dossier et TP-SIG-UN. Et pour voir les fichiers, il faut forcément choisir l'option d'afficher tous les fichiers. Parce que si vous choisissez les fichiers Excel et autres, donc les fichiers ne vont pas apparaître. Donc nous allons choisir l'option tous les fichiers. Ensuite, nous choisissons notre fichier Excel et disons notre fichier GPX. Et bon, il nous donne un avertissement sur les formats. Nous allons choisir oui. Ensuite, ouvrir en tant que tableau XML. Et la source spécifiée ne fait pas référence à un schéma. Excel va créer un schéma basé sur les données de la source XML. Oui. Et nous allons faire terminer. Donc voilà notre fichier Excel. Et disons notre fichier GPX qui est ouvert. Il y a un certain nombre de colonnes qui nous intéressent, à savoir et la colonne latitude, longitude et NEM 3, ensuite description. Et nous allons supprimer toutes les autres colonnes avant latitude. Nous allons faire clic droit ici, supprimer. Nous allons aussi supprimer les colonnes bon, élévation, speed, time 2. Clic droit, supprimer. Voilà, il ne va rester que quatre colonnes. Et la colonne latitude, nous allons la renommer en latitude. Ensuite, la colonne LON, nous allons la renommer en longitude. Longitude. NEM 3, nous allons le renommer en numéro comme sur les carnets terrain. Et ici, nous allons mettre des désignations. Voilà, comme c'est indiqué sur les carnets de terrain. Nous avons des balises, voilà, ouvrantes et fermantes, UU, nous allons les supprimer. Donc, je vais copier. Et voilà, je vais faire CTRL plus F et je vais remplacer par rien. Voilà le résultat, remplacer tout. Je vais aussi remplacer les balises fermantes par rien. Voilà. Et dans notre carnet, nous avons juste choisi, bon, dimensionner les arbres par leur espèce. Donc, nous allons renommer ici aussi écrire arbre. Comme au niveau du carnet, nous avons l'espèce. Donc, le premier est un flamboyant et le deuxième est un manguier. Nous allons convertir ces deux colonnes en des nombres, standard, nombre, nous allons augmenter le nombre de décimales. Cette colonne également, nous allons la convertir en nombre. Voilà. Donc là, il y a ce petit pour après la virgule. Nous allons tout centrer. Et voilà, notre fichier Excel est prêt. Nous allons l'enregistrer au format Excel 2003, qui est plus facile à manipuler par les logiciels SIG, plus précisément ArcGIS. Donc nous allons venir dans notre dossier et TP-SIG-UN. Nous allons choisir le format Excel 97-2003 et nous allons l'appeler TP-SIG-UIN 2023. Voilà. Donc nous allons voilà, TP SIG UUN. Voilà, tout simplement. TP SIG UUN. Et nous allons enregistrer. Continuer. Et bon, nous pouvons désactiver les filtres. Édition, tri, nous pouvons désactiver les filtres. Et enregistrer les modifications. Et si nous regardons dans notre dossier, les fichiers Excel est bel et bien créé. Nous allons également exporter notre fichier Excel au format texte avec séparateur tabulation. Nous allons faire enregistrer sous et TP-SIG-UN. Ensuite, nous allons prendre texte avec séparateur tabulation. Texte avec séparateur tabulation. Il aura le même nom. Enregistrer. Bon, voulez-vous continuer à utiliser ce format? Je peux dire non. L'essentiel est que le fichier est déjà exporté. J'ai fait annuler et je ferme Excel. Voilà, j'ai mon fichier texte avec séparateur tabulation qui est là.
Et j'ai également mon fichier Excel qui est exporté.